doucement, c'est bien, chérie. Respire, respire. Le liquide amniotique est contaminé. Passez-moi le cathéter. Oui, docteur. Madeleine, je vous demande de ne pas pousser. Seigneur, je ne peux rien. Calme-toi, chérie, respire. Je sais que c'est dur, Madeleine, mais essayez de ne pas pousser. J'y arrive pas. Madeleine, non. Qu'est-ce qui se passe? Bon sang. Qu'est-ce qui ne va pas? Appelez-moi le docteur Rollins du service pédiatrie. Dites-lui qu'on a un bébé mal en point. Si, docteur. Allez, Madeleine, vous pouvez y aller. Poussez bien fort. Plus fort. Plus fort. Plus fort. C'est un garçon. On a un fils. Une autre serviette. Merci. Je le vois, Wendy. Les voies respiratoires sont encombrées. Il faut l'opérer. Qu'est-ce qu'ils font? Je ne sais pas. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Donnez-le-moi! Donnez-le-moi! Rendez-moi mon bébé! Rendez-moi mon bébé! Apportez-le-moi, je veux le voir! Dites-moi ce qui se passe! Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Apportez-moi mon bébé! Mon bébé, apportez-moi, je veux le voir! Apportez-moi mon bébé! C'est un endroit impressionnant. Il fait froid. On a bien fait. On a besoin de vacances. Ce ne sont pas des vacances, Ran.
dû engager quelqu'un qui vienne aérer la maison de temps en temps. L'architecte n'a pas fait n'importe quoi. C'est un travail vraiment surprenant. Pas étonnant que ça tienne depuis si longtemps. J'aurai encore tellement à faire. J'ai envie d'aller voir en bas, de vérifier les fondations. Si le reste de la maison est dans cet état, je suis persuadé d'en tirer un excellent prix. Ran, qui t'a dit que je voulais la vendre ? Bonjour. Bien dormi ? Non, pas très bien. Le même cauchemar ? Ça va s'arranger. Tu crois ? Chérie. Je veux qu'on fasse un autre enfant. Non, tu n'as pas pu dire une chose pareille. Quoi ? Nous venons à peine d'enterrer notre fils. Je veux dire, peut-être. Peut-être d'ici un an. Non, non, jamais, jamais je ne ferai un autre bébé. Je me demande ce qui te prend. C'est un bon modèle ? Oui, très résistante. Jusqu'à 2 kilos. C'est celle qui se vend le plus par ici. Ah oui. Hé ! Ran ! Mais oui, c'est bien toi. Et Will ! Will Chapman. Ça va, Jeffries ? Qu'est-ce que t'as dans les yeux ? Chapman, oui. Ça alors ? Ça va, dis donc. Qu'est-ce que tu fais par là ? Ce que je fais par là ? C'est à toi qu'il faut poser cette question. Oh, ma femme vient d'hériter d'une grande maison sur l'île. Ça fait plusieurs années qu'elle est vide, on est passé dans l'espoir de la vendre. Attends, c'est la maison de Gage dont tu parles ? C'est ça, tu la connais ? Ta femme est une Gage ? Elle l'était autrefois. Et toi, tu en es où ? Oh, je suis revenu ici il n'y a pas longtemps pour reprendre le cabinet de mon père. Ah, tu es devenu médecin ? Oui. Je suis content pour toi. Ah, et toi, tu as fini par les construire, les beaux gratte-ciels dont tu rêvais ? Non, non, des logements. J'ai construit quelques immeubles, ah ouais ? Surtout en banlieue. Ah. C'est bien, des maisons, il en faut pour tout le monde. Ouais. Quelle heure il est ? Je dois y aller, ouais. Je t'appellerai. Si tu as du temps, passe à la maison, on pourra dîner ensemble. Avec plaisir, oui, avec plaisir. J'ai été content de te revoir. Je suppose que tu es le seul médecin sur cette île. Mmh, et le moins cher, en plus.
bébé. Qu'est-ce que tu fais? J'entends un bébé pleurer. Un bébé? Il est par là quelque part. Ma chérie, c'est peut-être le vent. Ou un chat. Enfin, un animal, certainement. Allez, viens. Tu as besoin de sommeil. Et moi aussi. Tu crois vraiment que tu peux, Joe? Oh, ce sera tellement formidable. Appelle-moi dès que tu auras les horaires de ton vol. Je viendrai au ferry. Tu me manques aussi. J'ai hâte de te revoir. À bientôt. Oh, c'était Joe. Elle doit donner une conférence à l'Université de Washington. Je l'ai invitée à venir nous rejoindre ici après. Maddie, nous sommes venus ici pour nous retrouver un peu seuls, toi et moi, loin de tout. Je le sais, mais je me rends compte que j'ai besoin de parler et de me confier. Dans ce cas, parle-moi. Écoute, je sais que tu as toujours eu un problème avec Joe, mais c'est ma meilleure amie. Je regrette, c'est d'elle que vient le problème. Ran, je suis dans un état lamentable, je me sens pas bien du tout. C'est tellement dur pour moi. Bon, tant pis, je vais la rappeler et tout annuler. Non, laisse tomber. Si sa présence peut te faire du bien... Elles viennent. Merci. Joe, tu es là. Mais comment? Si tu savais comme je suis contente. C'est joli. Oh, tu es ma meilleure amie et tu es psychologue. Ah, non, non, non. D'accord, pas. T'as une sale tête. Eh, hey, ça va, tu t'es vue? Viens, on va se prendre un café. D'accord. Je ne sais plus quoi faire, Joe. Je dors très mal, je ne mange presque plus. Je fais des cauchemars toutes les nuits. J'ai envie d'hurler par moments. Ce que je vais te dire va pas tellement t'aider. Mais après ce que tu viens de vivre, ça me semble très normal. Il y a autre chose. Il m'arrive d'entendre un bébé pleurer. Tu veux dire ton bébé? Je n'en sais rien. Ça semble tellement vrai. Tu as perdu un enfant. Nous avons tous une façon différente de faire le deuil. Ça, c'est ta façon à toi. Joe, regarde cette femme là-bas. Cette vieille dame de dos? Elle m'a regardé longuement. D'une façon bizarre. Je vis à San Francisco, tu sais, moi, plus rien ne me choque. Impressionnante cette maison. Elle appartient à ma famille depuis plus de 150 ans. Mon père en avait hérité d'un arrière-arrière-arrière-grand-père. Capitaine Nathaniel Horatio Gage. Capitaine de navire, profiteur de guerre et coureur de jupons. Dis donc, charmant ancêtre. Et pourquoi tu n'es jamais avant? Je sais pas au juste. J'ai dû venir une fois quand j'étais petite. On n'est jamais revenu. L'endroit n'a pas plu à ma mère. Bon, tu as mon numéro. N'hésite pas à appeler si tu as du nouveau. Je suis complètement ruiné. Je compte beaucoup sur ce contrat. Ouais. À bientôt. Chérie. Salut. Content de te revoir, Joe. Moi aussi, je suis content de te revoir. La chambre d'amis est au premier.
exprès, j'ai vu que tu n'y avais pas touché. Madeline, tu es censée en prendre 4 fois par jour et tu n'en as pas pris du tout aujourd'hui. Je ne supporte pas ce médicament, il me donne des nausées. Il est important que tu en prennes. Excusez-moi. S'il te plaît, chérie. Tu verras que tu te sentiras mieux. C'est bien. Bébé, il pleure. Tu l'entends? Non, je n'entends rien. Il a arrêté, c'est normal. Mitchou, je l'ai entendu pleurer. Je viens de l'entendre. C'est pas des histoires. Ah, le prof de gym, ouais, je l'avais complètement oublié celui-là. Je l'avais toujours sur le dos, tu te rappelles pas? Si, c'est vrai. Il était dur avec tout le monde. Non, toi t'avais la cote. Faut dire que t'étais un super footballeur. Ouais, je me débrouillais. Mais je me souviens pas avoir joué contre de bonnes équipes. Merci d'avoir accepté mon invitation, Will. De rien. Je dois dire que ce qui vient de nous arriver, c'est tellement dur. Je me demande si Madeline s'en remettra. Si je peux faire quoi que ce soit, n'hésite pas. Je ne suis pas psychiatre, mais... Oh, les psys. Je ne peux pas les encadrer. Au fait, tu ne m'as pas parlé de l'ami de ta femme. Ah, la princesse de glace. Est-ce que j'arrive au bon moment? J'en suis pas sûre. Will Chapman, Joe Parker. Enchanté. Ravi de vous connaître. Will est un vieil ami. C'est le seul médecin sur l'île. Oh, le médecin! Que recommandez-vous pour les cas d'engelure sévère? Eh bien, de bons bras bien chauds, ça marche bien. Oh! Non, c'est le mien. Excusez-moi. Ran, je suis ici parce que Maddy me l'a demandé. Je suis son amie, voilà tout. Ouais, je le sais. Nous avons discuté quand elle est venue me chercher au ferry. Elle est encore sous le choc. Eh bien, mon ami Will lui a prescrit un antidépresseur. J'espère que ça lui fera du bien. Ça dépend de ce que c'est. C'est quoi? J'en sais rien. Tu n'en sais rien? Je suis pas médecin, Joe. C'est prêt, j'appelle Maddy. Les beepers, une bénédiction et une malédiction à la fois. Je suis assez d'accord. Rien de grave, au moins. Une hypochondriaque. Est-ce que vous pourriez me donner votre avis sur Madeline? Quoi, mon avis? Votre diagnostic sur son état de santé. Je ne la connais pas. Mais comment avez-vous osé lui prescrire des médicaments sans la voir? Ah non, mais pas du tout, je n'ai rien prescrit à Madeline. Qu'est-ce que vous allez chercher? Oh, je suis désolée, Excusez-moi, Ran a bien dit que vous étiez un vieil ami.
Le sien? Je ne connais pas Madeline. Oh. Je crois que je suis un citadin invétéré. Je commence déjà à avoir la fièvre des îles. Oh, ça c'est une maladie très répandue chez les continentaux. Le seul remède, c'est de rester assis au même endroit pendant un mois, sans rien faire. Un mois? Ouais. Je suis sûr d'être bon pour l'asile après ça. Moi aussi, c'est ce que je me suis dit en arrivant ici, mais une île, c'est un endroit tellement différent des autres. Ça change un homme. Vraiment? Oui. Comment l'expliquez-vous? Eh bien, en arrivant ici, on a une vision différente des choses. Les priorités changent. On distingue mieux ce qui est important de ce qui ne l'est pas. Oui. Excusez-moi. Je me sens fatiguée tout à coup et je préfère me coucher. Oui, j'ai été ravie de vous rencontrer. J'aurais aimé être de meilleure compagnie. Oh, ce n'est rien. C'est rien, un autre jour. Tu veux que je t'accompagne? Non, reste, Joe, c'est gentil. Bonne nuit, chérie. Bonne nuit. J'espérais qu'ici son état s'améliorait, mais c'est pas le cas. Elle dit que parfois... elle entend un bébé pleurer. Ça a commencé quand? Dès notre arrivée ici.
Bonjour. Qui êtes-vous? Pourquoi vous me suivez? Qu'est-ce que vous voulez? Maddy? Bonjour. Tu m'as fait peur. Excuse-moi, j'aurais dû frapper. Qu'est-ce que tu fais? Je cherchais la tour. J'ai cru te voir là-bas. Je sais pas par où y monter. Qu'est-ce que tu regardes? C'est une espèce de vieux journal. C'est des plus passionnants. Ça remonte à la guerre de Sécession. Oh, génial. Où t'étais passé? Je jardinais. Tu jardinais, où ça? T'as pas envie de manger, j'ai faim. J'ai besoin de sortir de cette maison. Si on allait déjeuner toutes les deux au village. Oh, oh. Oh. Pardon, je suis désolée. C'est rien. On va rien, ça fait une éternité que je suis pas montée à bicyclette. C'est comme le sexe, on n'oublie jamais comment on fait. Alors, comment on monte là-dessus? Oh, ça fait si longtemps que ça. Ah, si tu savais. Et oh mon Dieu. Attention, oh, pousse-toi. Serre-toi tes poings. Ah, il y a des sorts pour plus. Oh, j'adore ça. Une belle balade après un bon déjeuner. Ça faisait longtemps. Tout s'arrange dans la vie. Oui. Je continue de penser que c'est ma faute. Le médecin disait, ne poussez non, pas. Non, Madeleine, arrête. Mais je pouvais pas. Ressaisis-toi. Tu y es pour rien. Aran voudrait qu'on en fasse un autre. Oser demander ça tout de suite, c'est un peu maladroit de sa part. Comme s'il était remplaçable. Maddy, j'ai beaucoup réfléchi hier soir. Laisse-moi fermer cette chambre, j'y tiens. Non. Ça ne m'ennuie pas. Non, Joe, s'il te plaît. Ne me demande pas de l'abandonner. S'il te plaît.
C'est hors de question. Tiens, c'est cette femme. Celle qui m'observe constamment. Je l'ai vue m'espionner dans la forêt l'autre jour. Will. Bonjour, Madeleine. Cette femme à qui vous parliez, qui c'est? C'est Rachel Martin. Pourquoi? Madeleine pense qu'elle l'espionne. C'est certain, je veux savoir pourquoi. Oh, Rachel est une personne très spéciale, mais complètement inoffensive. Elle vit seule dans une maison au cœur de l'île et elle sort de temps en temps, mais c'est pas tellement facile. Elle est aveugle. Elle est aveugle? Oui, elle a perdu la vue étant petite. Ses parents travaillaient pour votre grande tante Maureen. Oh, je m'en souviens maintenant. Je l'ai vue la première fois que je suis venue ici. C'était la première personne aveugle que je rencontrais. Les enfants dans l'île l'appelaient même la sorcière. D'ailleurs, elle me fait peur. Mais ce n'est qu'une vieille dame. Ce que je veux, c'est qu'elle me laisse tranquille. Je dois recevoir un ou deux patients. Ensuite, j'irai parler à Rachel. Je l'interrogerai et je passerai vous voir. Tout à l'heure. Joe, je vais faire le tour de l'île, histoire de me remettre les idées en place. Tu te sens bien? Oh, oui, 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 ça va. Si t'allais te promener au village, on se retrouvera à la maison. Kevin me l'a demandé. Qui est Kevin? Mon bébé. Madeleine, tu as perdu ton bébé. Tu dois te faire à cette idée. Ton enfant n'est plus là, il est mort. Je sais, Joe. J'en suis consciente. Mais cet enfant m'appelle, j'invente rien. Tu m'avales tous tes médicaments et après tu mangeras ça si tu veux. Au revoir, docteur. Quelle chaleur. Excusez-moi de passer à l'improviste. Vous ne me dérangez pas du tout. Vous avez une minute? Oui. On se fait du café? Oui, je veux bien. Merci. Je commence à être très inquiète pour Madeleine. Si vous avez le moindre conseil, un avis... Oui, j'ai mon idée. Donnez-la-moi. Parlez, je vous en prie, c'est très important pour moi. Asseyez-vous. Dans les années 40, mon père était médecin sur l'île. Et c'est à peu près à cette époque-là que Maureen, la grand-tante de Madeleine, a emménagé dans la maison. Un jour, elle est venue voir mon père pour des troubles du sommeil. Elle disait qu'elle entendait des bruits bizarres dans la maison. Quel genre ? Un bébé qui pleurait. Comme elle venait de faire une fausse couche, mon père lui a prescrit des calmants.
et lui a suggéré de consulter un psychiatre. Je ne sais pas si elle a suivi son conseil. Mais une semaine plus tard, elle a marché vers l'océan. Et elle est morte noyée. Autrement dit, elle s'est suicidée. C'est ce que le médecin légiste a constaté. Alors votre réaction l'autre soir, c'était plus que de la curiosité? Je plaide coupable. C'est vrai. Dès que Rand m'en a parlé, j'ai été intrigué par cette histoire. Vous pensez que Madeleine est au courant? C'est sa famille, je ne sais pas. Et Ran, il sait quelque chose? Allez savoir. Tu l'entends? Oui, oui, je l'entends. Il est là. Il pleure derrière ce mur.
Non, non, n'arrête pas, non. Non, je t'en prie. Regarde. Le même symbole que sur la tombe. Bon sang, qu'est-ce qui se passe? On a entendu le bébé. Il pleure derrière cette porte. Comment ça? Tu l'entends toi aussi maintenant, Joe? J'ai entendu des pleurs, sans doute ceux d'un bébé. Moi, je n'ai rien entendu. Il a cessé de pleurer. Eh bien, peut-être qu'il s'est endormi. Je propose qu'on aille en faire autant. Non. Je veux savoir ce qui se passe derrière cette porte. Attendez, poussez-vous. Une chambre d'enfant, certainement. Avec tous ces barreaux. Peut-être pour plus de sécurité, on est au dernier étage. Je sens quelque chose d'étrange dans cette chambre. Quelque chose d'affreux. Où est Madeleine? Elle est allée à l'église pour rencontrer le pasteur. Elle veut l'interroger à propos de ce symbole. Bien sûr, je sais que tu veux l'aider. Mais je ne crois pas que Madeleine ait besoin qu'on plonge avec elle dans ses fantasmes et ses hallucinations. Est-ce vraiment ça? Un bébé. Allons, tu sais bien que c'est impossible. Je suis d'accord. On veut lui faire croire que l'enfant est là. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu peux être plus clair? Pourquoi ces haut-parleurs dans le grenier et cachés un peu partout? Et tous ces fils, ça veut dire quoi? Tu es en train de me soupçonner. Tu te dis que j'ai planqué ces haut-parleurs et que je passe l'enregistrement d'un bébé qui pleure dans le but de rendre ma femme cinglée? J'ai tort. Pourquoi? Pourquoi je ferais une chose et bien pareille? Pour des milliers de raisons. Oh, bon sang. Joe, tu es un poème à toi toute seule. Si Maddie devient folle, tu pourras contrôler sa fortune personnelle. Écoute, je sais que tu ne m'as jamais apprécié. Tu estimes que je ne suis pas assez bien pour Madeleine. Et toute sa famille disait la même chose, en fait. Mais tout ce qui m'intéresse, moi, c'est Madeleine, pas son argent. Sauf quand il t'a aidé à créer ton entreprise. Elle a dû te dire aussi que j'avais remboursé la somme intégrale. Et puis, ça ne te regarde pas. Tout ça ne te regarde pas. Mêle-toi de tes affaires. Madeleine est ma meilleure amie. C'est aussi ma elle femme. Elle vient de perdre un bébé. Mais moi aussi. Ce bébé, c'était mon enfant. Mon fils à moi. Je l'ai embrassé, je l'ai caressé. Et... je l'ai regardé mourir. J'ai laissé mon fils mourir. Nom de Dieu. Je voulais tellement cet enfant. Je l'ai aimé, moi aussi.
C'est l'anniversaire de Madine la semaine prochaine. L'installation que je suis en train de faire, c'est ma surprise. Je voudrais tellement lui faire plaisir. Oh, désolée. Elle adore la musique classique. Elle pourra en écouter partout dans la maison où qu'elle soit. C'est une idée loufoque, je sais. On n'est même pas sûr de garder cette baraque. Mais pendant le temps où nous serons là, elle pourra au moins se détendre. Je sais pas quoi dire. Je suis vraiment désolée. Je me sens idiote. Oublie ça. Non. Je ne peux pas oublier. Tu veux bien me pardonner? Oui. Il faut dire qu'avec tout ça, on pouvait se poser des questions. Ouais. Tu sais, après un drame comme celui-ci, on a un peu tendance à négliger le père. Kevin aurait été heureux avec un père comme toi. Qui est Kevin? Votre bébé. Notre bébé ne s'appelait pas Kevin, mais Daniel. C'est un symbole païen. Autrefois, on enterrait souvent les morts dans une espèce d'urne funéraire qui était censée retenir les esprits maléfiques qui les entouraient. Et ce symbole était peint sur l'urne en question pour empêcher les mauvais esprits de s'échapper, de suivre l'âme du défunt dans l'au-delà. Pourquoi retrouve-t-on ce symbole sur une tombe? Je ne sais pas. Vous disiez que cette tombe se trouvait en dehors du cimetière. Ça laisse supposer que la personne enterrée à cet endroit n'était pas chrétienne. Ou n'a pas pu être enterrée en tant que telle. La date gravée sur la pierre tombale, c'est 1886. Y a-t-il moyen de savoir de qui il s'agit, de connaître au moins son nom? Certainement. Pour la bonne raison que tous les registres d'état civil concernant les habitants de l'île, entre 1740 et 1920, étaient conservés dans l'église. Alors... En 1886, il n'y a eu qu'un décès sur l'île, celui du capitaine Nathaniel Horatio Gage. Vous voyez qui c'est? C'est mon nom de jeune fille, Gage. C'est le premier de la famille à avoir vécu sur l'île. Ah. Attendez. Alors, à ce que je vois, il n'a eu qu'un enfant, ce capitaine Gage, un fils... né en 1860. Comment l'a-t-il appelé? William. William. Bonjour, Madeline. Comment avez-vous su que... Madeline, nous avons tous une présence qui nous est personnelle. Elle est unique. Elle est invisible à nos yeux. Je ne suis pas une vilaine sorcière. Je vous promets que je ne suis pas une sorcière. Pourquoi vous me suivez partout? Pourquoi? Parce que j'aimerais finir par avoir le courage de parler avec vous, de vous mettre en garde. Me mettre en garde? Oui. Un grand danger vous guette. Dans cette maison, il y a quelque chose. Dans la maison? Vous parlez du bébé qui pleure, hein? Vous entendez un bébé?
Oui, c'est de lui que vous voulez parler. Je vous en supplie, allez-vous-en d'ici. Allez-vous-en. Quittez cette maison avant qu'il ne soit trop tard. Trop tard, pourquoi? Je ne sais pas au juste. Désolé. Rachel, attendez s'il vous plaît. Rachel! 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 Racontez-moi tout, attendez! Oh, s'il vous plaît! S'il vous plaît, Rachel! Parlez-moi de lui, parlez-moi du bébé! Je vous en prie. Je vous en prie. Je vous en prie, revenez, parlez-moi de mon bébé. Je suis là, mon bébé. Maman est là. Merci pour le dîner. On remet ça quand vous voulez. Bon, vous avez mon numéro de téléphone. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, appelez-moi, je serai là en 2 minutes. Vous consultez à domicile? Oui, ça m'arrive. Un peu rétro. J'adore ça chez un médecin. Et chez un homme, ça vous dérange? On s'habitue à tout. Ça aussi. Bonne nuit. Bonne nuit. On est ici. Qu'est-ce que c'était? Un tremblement de terre? Non. C'était quoi alors? J'ai vu une sorte de lumière. Elle est partie. De quoi est-ce que tu parles? Qu'est-ce qu'il y avait là-haut?
n'en sait rien. On a vu une lumière sortir de la tour. C'est le symbole qui le retenait prisonnier. Le révérend me l'a expliqué. J'aurais jamais dû enlever ce symbole de la porte. Pourquoi tu l'as fait? J'ai entendu une voix. Une voix d'enfant. Qui me demandait de l'enlever. Oh. Parle-lui, Joe. Dis-lui qu'elle a besoin de dormir. Toi, elle t'écoutera. Que veux-tu que je lui dise? J'étais là aussi. J'ai tout vu. Qu'est-ce que c'était? Je pense que ça peut être une sorte de manifestation physique de la souffrance de Madeleine. De sa culpabilité après la mort du bébé. C'est assez rare, mais ce n'est pas impossible. Joe, je vais aller voir Rachel Martin. Elle sait quelque chose, j'en suis certaine. Attends, qui est Rachel Martin? C'est une vieille dame qui vit sur l'île. Nous nous sommes rencontrés hier sur la route et elle m'a conseillé de quitter la maison. Une vieille dame t'a conseillé de quitter la maison? Voyons, chérie, est-ce que tu te rends compte de ce que tu dis? Ça m'est égal, je veux aller voir Rachel. Madeleine, Madeleine, tu dois mettre un terme à tout ça, je t'en prie. Ça ne te ramènera pas le bébé parce que rien ne te le rendra. Je vais avec elle. Il s'est passé quelque chose. Je le sais. Rachel m'a appelé à l'aube. Elle est bouleversée. Elle dit que vous êtes tous en danger. Ce qui était dans la maison est sorti. Oui, j'ai entendu le vent. On aurait dit qu'un ouragan soufflait sur la maison. Vous l'avez libéré. Libéré? J'ai libéré quoi? Dites-nous ce que vous savez. Je ne sais qu'une chose. C'est un esprit. Un esprit? Celui d'un jeune enfant, peut-être un bébé. Je viens de perdre un bébé. Ça a quelque chose à voir avec lui? Il y a certainement un lien. Comment ça? Votre tante Maureen venait aussi de perdre un bébé. Elle avait fait une fausse couche. Et c'est juste après ça qu'elle a commencé à entendre les cris. Tout le monde a cru qu'elle perdait la raison, mais moi, je savais qu'elle courait un danger. Je n'étais alors qu'une enfant. Ils ont tous refusé de me croire. Mais le jour où elle s'est noyée dans l'océan, j'ai voulu l'empêcher de quitter la maison. J'étais là, je la suppliais de rester, j'étais accrochée à ses jupes et je ne sais pas, une chose invisible, une force, m'a poussée violemment à travers la fenêtre. La vitre a volé en mille éclats. Quelle douleur! C'est ainsi que vous avez perdu la vue. Madeleine, soyez prudent. Soyez très prudent. Maintenant qu'il est en liberté, vous êtes en danger encore plus qu'auparavant. Au revoir, Rachel. Je vous raccompagne à la maison. Merci. Soyez prudente. Qu'est-ce qu'elle a voulu dire par là? Comment est-ce qu'un enfant, un bébé... Comment un bébé pourrait-il être dangereux?
Will, attention! Ça va? C'est incroyable! Qu'est-ce que vous racontez? Un fantôme aurait balancé un arbre sur la route? Personne t'oblige à nous croire sur parole. Tant mieux, parce que j'ai du mal. Moi aussi j'ai du mal, mais on n'a pas d'autre explication. Et ce qui s'est passé dans la tour cette nuit, comment tu expliques ça? Je sais pas, il y a forcément une réponse logique à cette question. Rien de tout cela n'est logique, mais c'est réel. La tour, le cimetière, le symbole, tout est rattaché d'une manière ou d'une autre à ce bébé dont Rachel parle. Le journal que j'ai trouvé dans le grenier date de la guerre de sécession. Tout ce qui s'est passé dans la maison y est rapporté. Tu crois pas qu'on pourrait y trouver quelque chose? Oui, on doit bien parler du bébé quelque part. Je vais regarder. Ce n'est pas notre bébé, Madeleine. Peu importe. Il appartient à quelqu'un, ce bébé. Maddy? Écoute, je ne sais pas ce qui se passe ici. Tu sais que je ne crois pas aux histoires de fantômes, mais je me fiche de ce qui nous en coûtera de percer ce mystère. Je veux que tu saches que j'irai avec toi jusqu'au bout. Merci. De 1872 à 1879, on trouve plus de 50 références à l'enfant, le bébé, le petit garçon. Sans jamais évoquer la naissance ni même le prénom, c'est très étrange. Et après 1879, on n'en parle plus jamais. C'est comme s'il avait tout à coup cessé d'exister. Il est peut-être mort. Une vilaine grippe, la variole, une quelconque fièvre. On ne parle pas des frais de funérailles non plus. Cercueil, pierre tombale. À moins qu'il ait fugué. Ah, c'est un... C'est un peu jeune. La tombe date de 86, c'est-à-dire 7 ans plus tard. C'est assez pour ce soir. Nous avons tous besoin de sommeil. Nous continuerons demain, d'accord? Oui, allez dormir, je vais ranger un peu en bas. Joe, merci. De rien. Bonne nuit. Bonne nuit. Bonne nuit, Will. Bon sang. Je vais vous avouer une chose. Je suis avant tout un scientifique. Et j'ai toujours besoin de voir les choses par moi-même, de les sentir. Oui, moi aussi. Je crois que vous avez raison pour Lille, docteur. Elle sait nous transformer.
Quel beau petit garçon. Mais toujours pas de prénom, le petit garçon. En tout cas, on peut dire que vous l'avez échappé belle toutes les deux. Venez, je voudrais nettoyer la plaie. Écoute, je ne sais pas ce qui se passe ici et ça m'est égal. Rentrons chez nous maintenant. C'est hors de question. J'ai l'impression que ce bébé a besoin de moi ici. Tu penses à moi, à ce que moi je veux? Je sais ce que tu ressens, Ran, seulement... Laisse-moi encore un peu de temps, s'il te plaît. Fais comme il te plaira, Maddy. Tu as dit que tu ne me lâcherais pas. Je compte sur toi. Je reste. Alors... Attends. C'est là, oui. Voilà, voilà. Voyons. Oh, regarde. Capitaine Nathaniel Horatio Gage est rentré d'un voyage de 28 mois en Extrême-Orient. Un prestigieux résident de notre. Le capitaine Gage est revenu accompagné à sa grande fierté d'un jeune garçon qu'il a récemment adopté. Kevin. Ça explique que sa naissance n'ait pas été rapportée dans le journal. Le capitaine est revenu à la maison avec un fils adoptif. C'est sympa, la plupart des marins reviennent avec un perroquet. Et c'est sa femme, Sarah, qui tenait le journal. Comment expliques-tu qu'elle n'ait jamais écrit nulle part le prénom de cet enfant? Je ne sais pas, peut-être qu'elle était en colère, ça devait être horrible pour elle. Et pour le bébé aussi, tu sais. Les enfants sentent quand on ne les aime pas. Ça les tue, jour après jour. Oui. On sait enfin de qui il s'agit, Joe. Le beau petit Kevin. Qui a cessé d'exister après 1879. Madeline est partie. Quoi? Je suis allé dans la chambre d'enfant et dans la tour, je ne la trouve nulle part. Je vais aller voir dehors. J'appelle Will. Madeline! Aucune trace. Elle est pourtant bien quelque part. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que ce bruit? Ce sont les cris du bébé. De quel genre de bébé s'agit-il, nom de Dieu? J'arrive pas à savoir d'où ça vient. De l'océan. Thank you.
Madeline, hein? Regarde-moi. Madeline, regarde-moi. Ran. Oh, pardonne-moi. Je suis désolée. C'est différent maintenant. C'est encore plus fort. Comment ça, plus fort? Oh, comment dire? Je n'entends plus seulement la voix. À présent, je sens qu'il fait partie de moi. Il n'a plus à me demander de faire les choses. C'est de moi-même que je suis allée vers l'océan. Mais il attend quoi? Il veut quoi? C'est moi qu'il veut. Pourquoi toi? Qu'est-ce que tu as fait? Je n'en sais rien. J'aimerais le savoir. J'aimerais tant avoir l'occasion de lui parler. Non, non, c'est terminé. Je ne sais pas ce que c'est, mais il ne s'agit pas d'un enfant innocent. Cette chose est dangereuse, je veux qu'on quitte cette île. Oui, à quelle heure est le prochain ferry? À midi. Nous le prendrons. Je vais préparer un petit déjeuner. Vous en prendrez? Oui, avec plaisir. D'accord. Je vais te donner un coup de main. J'ai trouvé cette lettre, cachée dans le double fond de la mallette. Elle a été écrite par Sarah Gage, l'épouse du capitaine. Qu'est-ce qu'elle dit? C'est une confession, en quelque sorte. Elle confesse quoi? Oh, un meurtre. Rachel, aidez-moi. Oui, il est grand temps. Qu'est-ce que tu racontes? Kevin, cette lettre parle de lui. Asseyez-vous. Apparemment, sa vraie mère était une jeune Anglaise, une maîtresse du capitaine à Hong Kong. Il a ramené l'enfant à la maison, pensant que Sarah l'élèverait. Elle lui en a terriblement voulu. Elle s'est mise à le haïr. Et elle a haï le bébé encore plus. Elle le supportait, dirons-nous. Mais quand l'enfant a eu 6 ans... une tache est apparue sur son visage. Une espèce de grosse tache rougeâtre. Les gens ont dit que c'était la marque du diable. Dès cet instant, Kevin est devenu un véritable fardeau pour eux. Cette marque, aucun d'eux ne l'assumait. Ils décident de l'enfermer dans la tour. Pauvre bonhomme, il a dû souffrir. Oh oui, elle en parle, un vrai supplice. Tous ces gémissements, ces cris incessants, du matin au soir, nous rendaient nerveux, nous étions au bord de la folie. Et un soir, foudrage et ivre mort, le capitaine est monté dans la tour pour le faire taire. Il est tombé, s'est brisé le cou. Kevin l'a tué? Pour Sarah, il n'y avait aucun doute.
Elle l'a frappé jusqu'au sang pour obtenir des aveux. Il n'a pas dit un mot. Il n'a même pas pleuré. Et ça, je pense que ça l'a rendue folle. Elle s'est mise à frapper encore plus fort, jusqu'à le tuer, l'enterrer rapidement. Sans mettre la moindre inscription sur la tombe, et à condamner la tour. Ce garçon a été enfermé là-haut pendant 7 ans. Elle a écrit ça, sur son lit de mort, en implorant Dieu de lui pardonner son geste. Sans demander le pardon de Kevin. Ce petit garçon n'était pas le diable. C'est le monde où il est né qui était diabolique. Esprit, si tu es cette force mystérieuse aujourd'hui, c'est la rage d'un enfant dont la vie a été détruite. Pourquoi s'en prend-il à Madeleine? C'est la descendante directe du capitaine Gage. Et c'est une femme. J'ajouterai que la perte de son bébé l'a rendue vulnérable. Tout comme Maureen. Qui l'a tuée. Il l'a tuée pour se venger de Sarah. C'est évident. Madeleine doit lire cette lettre. Esprit, manifeste-toi. Elle n'est pas là-haut. Où a-t-elle bien pu aller? Sur la plage? Non, je crois savoir où elle est. Elle a dit qu'elle essaierait de lui parler. Elle est morte. Je vais téléphoner. Oh non! Non! J'aurais jamais dû bien la voir. Oh Rachel, pardonnez-moi. Le téléphone ne fonctionne plus. Bon, il faut sortir d'ici. Tu peux marcher? Viens. Tu peux marcher, chérie? Oh, j'en sais rien. Lève-toi. Oh. Elle est morte. Oh, ouvre, non. Ouvre la porte, Joe. Oui. Avance, avance, chérie. Oh. Calme-toi. Fatigué.
Tout va s'arranger, chérie. Tout va s'arranger. Impossible de faire venir un bateau. Le vent souffle beaucoup trop fort. Le service radio m'a dit que là-bas, ils avaient un temps clair. La tempête est sur cette île, nulle part ailleurs. Il nous retient ici. Oui, je suis inquiet pour ma vie. Le pouls est en train de faiblir. À mon avis, la tension est basse, trop basse. Elle est en état de choc? Non, je ne crois pas que ce soit ça. Alors, qu'est-ce que c'est? Si seulement je le savais. Je ne sais pas comment l'expliquer. Elle se vide petit à petit de toute son énergie. Il faut la conduire à l'hôpital. Ça n'arrangerait rien du tout. Alors que faut-il faire? Je ne sais pas. Il fait froid ici, je vais aller lui chercher un édredon. Oh, reviens, Maddy. Qu'est-ce qui s'est passé? Sortons d'ici. Cette chose maudite est là-haut. Il faut sortir d'ici. Vite, relève-la. Allez, vite, sortons d'ici! Oui, allez, allez! Par la porte de derrière! Essaye les fenêtres! Oh. Dépêchez-vous! Je vais la casser, pousse-toi! Aide-moi! Viens vite. Non! 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 Maman! Non! 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 Je veux rester, c'est moi! Non! Manu, ah! Tu te calmes! Non!
regarder. Seigneur, dans ton infinie bonté, nous te demandons d'accueillir en ce jour Kevin, notre fils bien-aimé. Gloire à toi, Seigneur, qui nous a donné de connaître et d'aimer ce compagnon de cœur de passage ici-bas. Aide-le à trouver le chemin qui mène à la vie éternelle. Et donne-nous la force, la douce assurance et la consolation qui nous permettront de poursuivre notre route. Que son âme repose en paix. Dans ton royaume de lumière et d'amour. Amen. 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 Voilà, c'est fait. Tu vas rester longtemps? Je sais pas encore. Une semaine? Peut-être plus. Merci. De rien. Je t'adore. Moi aussi. Merci pour tout, il n'y a rien. Tu plaisantes? La prochaine fois, on ira pêcher. Promis. D'accord. Sécher à la maison, qu'on ne l'oublie jamais. Et en fait, tout bien réfléchi. Je préfère la laisser là. Oui. Qu'on fasse un bébé.